Bonjour à tous, c'est Alicia, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un jeu qui va vous scotcher à votre écran, World Crafter TD. J'ai eu la chance d'être contactée par TBJBU2, le développeur de ce petit bijou, pour vous le présenter en avant-première. Le prologue sort ce jeudi 14 novembre, alors les amis, n'hésitez pas à en profiter. World Crafter TD, c'est un mélange détonnant entre défense de tour et jeu de survie. Imaginez-vous, vous devez collecter des ressources, fabriquer votre équipement, construire des tourelles et repousser des vagues d'ennemis de plus en plus coriaces. Le tout en agrandissant votre territoire pour débloquer de nouvelles ressources et recettes. Dès les premières minutes, j'ai été happé par la boucle de gameplay. On alterne entre phases de collecte, de craft, de combat de manière fluide. Chaque vague d'ennemis repoussée vous donne envie d'améliorer vos ressources pour voir jusqu'où vous pouvez aller. L'extension du territoire ajoute une dimension d'exploration vraiment sympa. On découvre de nouvelles zones, de nouvelles ressources et ça donne envie de pousser toujours plus loin. Donc là, c'est que ce que vous êtes en train de regarder, c'est ma partie que j'étais en train de faire, que j'ai enregistré pour vous montrer un petit peu comment se déroule le jeu, les amis. Restez jusqu'au bout de la vidéo, puisqu'après, je vous propose de regarder le trailer pour avoir un meilleur aperçu du jeu. Et donc là, on va faire un petit peu de fer, lingots de fer, des lingots d'or, parce que ça va nous servir, du coup, lingots de fer et lingots d'or à faire de l'acier pour plus tard. On va faire des briques aussi, parce qu'on va en avoir besoin. Et après, vous pouvez pas vous avez pas à vous limiter à une forge. Bon là, moi dans cette découverte, je fais qu'une forge, mais vous pouvez faire plusieurs forges. Autant que vous voulez. Donc là, on va installer notre première tourelle. On va la mettre ici. Voilà. Allez. Et on en mettra une autre, je pense, de l'autre côté ou à côté, on va voir. On va déjà construire celle-là. Il faut qu'on mette aussi un panneau solaire pour produire de l'électricité pour notre tourelle. On va en mettre une autre à côté, je pense. Soit à côté, soit en face, on va la mettre ici. Voilà, parfait. On va récupérer, voilà. On va peut-être remettre, ou on va attendre que le charbon soit... Ouais, on va attendre que le charbon soit fini. On va remettre un peu de fer qu'il nous en faut pour construire les panneaux solaires. Donc par contre, je tiens à m'excuser, donc j'ai mis du coup de la petite musique à la place. J'ai eu un petit problème technique au niveau du son du jeu, malheureusement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon logiciel d'enregistrement. Pourtant, moi, en jouant, en enregistrant ma vidéo, en jouant, j'ai eu le son du jeu. Et après, quand j'ai du coup regardé ma vidéo pour voir un petit peu si tout s'était bien passé, ben, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le son du jeu. Donc malheureusement, tant pis, j'ai retenté un enregistrement, pareil, en essayant de modifier des trucs, et pas moyen d'avoir le son du jeu, donc désolé, mais du coup j'ai mis une petite musique d'ambiance pour pas que ça soit totalement silencieux non plus. Donc la première manche s'est bien déroulée, hein. Le début ça se passe toujours bien, c'est après que ça va se corser. Donc du coup on a récupéré des pièces qui vont nous permettre après, quand on aura l'enclume, à avoir des pièces normales, puisque là on récupère des pièces impures. Donc du coup, grâce à ces pièces normales, on va pouvoir débloquer des territoires, agrandir notre territoire. Parfait, manche 2 s'est bien passé. On va construire notre enclume. Vu que maintenant on a fait 2 manches, on va pouvoir avoir 40 pièces. Chaque territoire qu'on veut débloquer coûte 40 pièces, sauf quelques-uns. Après, je pense que c'est parce que c'est le prologue, mais vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Les territoires coûtent 9,9999 infini, là. Donc voilà, c'est par rapport, je pense, au prologue. Allez, manche 3,
Parfait, ça s'est bien passé aussi. On essaye une quatrième manche. Parfait. Nickel. On transforme du coup nos pièces. On va tester une cinquième manche. Non, ça va pas passer. C'est pas passé malheureusement. Donc il nous faut peut-être faire construire des nouvelles tourelles. Donc là, on a 80 pièces normales. On va pouvoir débloquer deux territoires. Agrandir deux fois notre territoire. Allez, on va faire ici. On a un petit coffre. Donc on a récupéré la structure tourelle bombe. Ça, c'est cool. Il nous faut du coup des lingots d'acier. Donc elle consomme aussi 150 d'électricité. Donc il va aussi falloir des panneaux solaires. On débloque ici. On va voir ce qu'on va récupérer comme recette. Une lance acier débloquée. Donc on met notre nouvelle tourelle. Électricité, c'est bon. Une autre tourelle. Là, par contre, on construit des panneaux solaires. Voilà. Autre tourelle. Une tourelle en fer de l'autre côté. Du coup, il va falloir d'autres panneaux solaires. Là, on est bon. Et allez, on teste la manche 5 maintenant qu'on a des nouvelles tourelles. Ça peut passer. Eh ben nickel, j'ai même pas besoin de m'y mettre. Mes tourelles font tout le boulot. Super. Allez, une sixième manche. On va voir si ça passe ou s'il faut faire des nouvelles tourelles. J'ai même pas besoin de les aider, ça se fait tout seul. Allez, on va transformer nos pièces du coup pour débloquer un nouveau territoire. On peut faire notre lance-acier. Du coup, maintenant, on va avoir une arme pour nous aider. On fait d'autres lingots d'or et d'autres lingots de fer pour avoir de l'acier, faire d'autres tours. Et bien sûr, d'autres panneaux solaires, du charbon aussi. Donc, je vous ai passé quand même les parties de collecte de ressources parce que c'est assez long. La vidéo, quand je l'ai enregistrée, ça faisait une heure de vidéo avec la collecte de ressources. Donc, j'ai coupé pas mal. Hein. J'ai pas mal réduit. Alors, est-ce que cette manche 7 va passer? Est-ce qu'on va réussir? Allez. Ah, ben voilà. Grâce à mon arme, c'est bon. Là, il a fallu que je les aide un petit peu quand même, les tours. Nouveau territoire, on récupère pic d'acier débloqué, donc du coup, et hachette d'acier. Donc pareil, on améliore du coup notre équipement pour collecter les ressources. Parfait. Donc on a hachette et pioche de départ. Ensuite, on a la hachette et la pioche en fer. Et ensuite, là maintenant, hachette et pioche d'acier. Allez, des nouveaux panneaux solaires. On va le mettre ici, parfait. Allez, c'est bon. Ensuite, on peut construire une autre tour. Donc là, du coup, repanneau solaire. Allez, on teste cette manche là. Manche 8. Alors, est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer. C'est nickel. On construit nos pièces. Allez, nouveau territoire. Où est-ce qu'on peut débloquer? Vous voyez là? Là, on ne peut pas. Là, on peut pas, c'est limité. Apparemment, peut-être par rapport au prologue, je sais pas. On verra bien après dans la partie complète. Là, on peut. Donc, on va débloquer ici.
On a gagné structure d'éolienne. Donc, du coup, ça nous génère beaucoup plus de puissance électrique, 300 au lieu de 100, je crois, par le panneau solaire. Donc, on construit notre éolienne. Parfait. Allez, manche 9. Voyons voir si ça passe. Ils ont l'air d'aller un peu plus vite. Mais ça a l'air de passer. Nickel. On a remporté la manche. Allez, manche 10. Ah là, c'est un peu plus complexe. Mais on a notre arme. Ça devrait passer. Oui, c'est bon. Nickel. Donc là, on est bon. On fait nos pièces pour débloquer un nouveau territoire. On fait des nouvelles tours. Tourelles, pardon. Et c'est... Ouh là! Ça, ils sont coriaces, ceux-là, dis donc. Ils sont énormes. Mais ça va passer. Allez, ça va passer. Oui, super. Manche 11 remportée. C'est parfait tout ça. Allez, des pièces encore. On va se faire une autre manche où on débloque. Allez, une autre manche. Ouh, celui-là, il va vite. Oh là là, ceux-là, ils vont très très vite. J'ai pas eu le temps de réagir. Ils vont vachement vite, ceux-là. Donc, il faut être très réactif. Ouais. Allez, cette fois on va réussir, je l'espère. Deuxième tentative. Allez, on est de nos tours. On devrait y arriver. Oui, super. Nickel, on a réussi. Allez, on débloque. On a un sac d'inventaire T1 débloqué. Super, on va avoir plus de place du coup dans notre inventaire. Il nous faut juste... faire de la pierre, faire fondre de la pierre. Voilà, on a de maintenant plus de place dans notre sac. On construit nouvelle tourelle. Vu que là, ils sont plus rapides, les trucs, faut quand même du monde pour nous aider, hein. Ouais, super, on a réussi. Allez, encore plus de pièces. On débloque. Où est-ce qu'on va débloquer? Là, on ne peut plus débloquer de ce côté. Ok, donc on va débloquer de là maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on a gagné? Des lingots. Bon, bah, super, des lingots d'or, des lingots de fer, d'acier, je sais plus, j'ai... Des lingots. En nouvelle manche, allez, manche 14. Oh, celui-là, il s'en va là, vite. Oh, super. C'est bon, j'ai réussi. Oh là 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 là. Ah non, raté. Malheureusement, là, c'est raté. On va essayer de retenter. Oh là là. Raté encore. Ils sont allés beaucoup trop vite. Est-ce que je peux faire des tourelles? Je peux faire des tourelles en fer. On va essayer d'en en installer une ici. Allez, 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 allez! Ouf, il est pas passé celui-là! Oh non! Oh, c'est pas passé! On va y arriver, les amis, on va y arriver. Allez, là c'est bon. J'ai rajouté d'autres tourelles. Ça devrait aller. Moi, je me mets là vers la fin, comme ça. Je réceptionne ce qui passe malgré les tourelles. C'est bon, on a réussi. Manche 14 remportée, les amis. Super. Allez, des nouvelles pièces. Nouveau territoire. Et on a débloqué une nouvelle tourelle. Adhésion débloquée. Donc ça ralentit du coup les ennemis. Parfait, de 50% pendant 10 secondes. Ok. Allez, on construit ça. Il nous faut juste du bois pour construire ces tourelles. Donc, on va essayer d'en construire quelques-unes. Voilà, la seconde.
On va tester déjà avec cette manche-là. Non, il est trop rapide, lui. On reteste une deuxième fois avant de mettre une tourelle. Sinon, non, mais on en rajoute une, hein. Je vais couper du bois. Allez, je coupe du bois, j'en rajoute une. Voilà, j'en ai rajouté. On va retester. Allez, c'est parti. Ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air de marcher là, au niveau des tourelles qui ralentissent. Ah non, celui-là! Vite! Ah, ouf! Oh là là! De justesse, hein? C'est bon, on a réussi. Super! Super, et ben voilà, c'est la fin de la démo. On peut aller que jusqu'à la manche 17, les amis. Voilà, donc on a des pièces. On va quand même débloquer un dernier territoire pour voir la récompense que l'on va recevoir. C'est celui-là qui nous restait. Donc on a débloqué des bottes T1. Quels effets ça va nous faire ces bottes? Ça nous augmente le déplacement, la vitesse de déplacement. C'est pas négligeable, du coup. C'est cool. Ben voilà les amis, franchement j'ai été bluffée par World Crafter TD. Le jeu est super bien équilibré, visuellement agréable et surtout terriblement addictif. J'ai dû m'arracher à mon écran pour vous faire cette vidéo les amis. Mais ne vous fiez pas qu'à mon avis. Pour conclure, je vous laisse découvrir le trailer que vous voyez actuellement qui vous aidera à faire avoir un meilleur aperçu de ce qui vous attend. Alors, qu'en pensez-vous les amis? World Crafter TD a l'air d'être votre prochain coup de cœur. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner les amis. C'est très important pour la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous les amis, à très bientôt, bye bye!